petit peu parler avec elle, tu vois, et faire une relation avec elle. En gros, tu veux sortir avec ma soeur alors que tu as 29 ans et qu'elle en a 15? Ouais. Ça veut dire que tu veux te taper ma soeur et moi je suis là, frérot, je fais rien. Moi je fais rien, moi je fais rien, frérot, je t'ai. Ma soeur? T'as vu Alex, stoppé. Je t'ai écouté. T'as vu, je t'ai pas frappé. Ouais. Non, 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 alors écoute-moi, tu descends de la voiture de suite. Descends de la voiture. Les gars, la voiture, vite. Il est allé chercher ma soeur au collège. Attends-moi là, s'il te plaît. Nathan, viens avec moi, je vais au collège. Allez, pas gros. On monte dans la voiture, allez, pas. T'as une chez lui. Essaye de l'appeler ma soeur. Ouais. Essaye de l'appeler s'il te plaît. Ouais. Putain. Vas-y Nathan, viens. Il est pas chez lui, il est pas au collège. Et... Si j'appelle ma mère, elle va s'inquiéter, frérot, c'est même pas la peine. Ouais. Messagerie direct, ouais. Jure-le. Ouais. Je sais pas, hein. Il y a même pas sa voiture. Enfin, tu veux qu'on aille voir chez moi? En tout, t'as quoi comme portable? iPhone. Ta soeur, elle a quoi, la femme? Ouais. Bah, gros, on va te faire chier, on la géolocalise, non? Hein? Là, on la géolocalise, son téléphone, avec iPhone, tu peux. Mais si elle a le téléphone éteint, tu géolocalises personne, frère. Mais si, tu peux l'avoir quand même. Si elle a le téléphone éteint, oui, on peut la géolocalisation. T'es sûr? Eh oui. Je sais pas, frère. On va sonner chez ton frère. Ça va être bon. Dis-moi. J'ai un problème avec ton frère. Ouais. Il est où? Je sais pas. Je t'explique, en gros, il est venu. Ouais. Il me dit oui, je suis amoureux de ta soeur, patati patata, elle a 15 ans. Il a... Donc je l'ai mal pris, je me suis un peu énervé contre lui. Il s'est barré. Et ma soeur, elle m'appelle. Finalement, Alex, il est venu me chercher au collège. J'essaie d'appeler ma soeur, elle me répond pas. Lui, il répond pas. Il est avec ma soeur alors que j'ai dit de pas la fréquenter et j'ai pas de nouvelles depuis. Donc est-ce que tu peux essayer de l'appeler, s'il te plaît? Et tu lui dis pas que je suis avec toi s'il te répond. Okay. Parce que moi, il me répond pas. Il a dû bloquer mon numéro ou quoi. Je suis avec toi, tu demandes où il est, s'il te plaît. Mais je sais pas. Je sais pas, gros. Ton frère, il... Qu'est-ce qu'il a? Il est délire ou quoi? Allô? Je vais le tuer. T'es où? Ok. Ah, ça va? Non, c'est bon, ça va, on prend des nouvelles. Ok. Allez, à plus. Il est à allô. Où allô? C'est une pharmacie. Laquelle? Celle de là ou là? Juste là? Ouais. Bah, je pense parce qu'il y a le temps. Tu restes avec nous ou tu restes là? Non, je reste là, mais j'ai pas. Je tiens au courant, ok? Merci. Vas-y, vite. Va à la pharmacie, viens. Il est à la pharmacie à côté là. Je sais pas ce qu'il faut à la pharmacie, je sais pas s'il y a ma soeur avec, je sais pas. C'est bon, on trace. On trace, on va direct à la pharmacie, on voit s'il y est. S'il y est, frérot, je le marre. Ouais. Oh, je vais le tuer. Je vais le tuer. Nathan, je vais le tuer. Ouais, mais fais attention. Ah gros, imagine c'est ta soeur. Mais ouais, mais fais attention. On est bientôt arrivé là. Oui, je comprends, t'es fou ou quoi, mais... On est bientôt arrivé. J'espère que le temps qu'on arrive, il est encore à la pharmacie. Vraiment. C'est celle-là. Nathan, reste avec Alex. Alex, essaye de filmer dehors dans la pharmacie, il est dedans. Putain, les gars, il est là. Il est là. Je sais pas si tu m'entends, Alex. Il est juste là. Je suis juste derrière lui, frérot. Il est à la caisse. Tu le vois? Tu le vois ou pas? Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Surtout qu'il est pas avec ma soeur. On va attendre qu'il sorte. Hein. Ne lâche pas de la caméra, si tu le vois, ne lâche pas. Ah, viens là. T'as vu là, je vais pas te faire remarquer dans le magasin, je t'attends dehors, tu as compris?
Voilà, attends ici. Attends, il y a deux entrées, viens, mets-toi à l'autre entrée, s'il te plaît, si t'as de l'autre côté. S'il sort de ce côté, tu la chopes direct. Hein. Je vais pas faire remarquer dans le magasin. Tu le vois de là? Tu l'as? C'est bon, je le vois, je le vois. Ok, voilà, je fais dès qu'il sort. Hein. Gros, je crois qu'on a des trucs à se dire. Oh. Attends, chope-le, chope-le. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Je t'ai niqué. Attends. C'est quoi que t'as acheté? Laisse-moi. C'est quoi que t'as acheté? Regarde-toi. Alex, je t'ai dit quoi? J'ai dit que j'allais te défoncer. Mets-toi là. Mets-toi là. C'est quoi que t'as acheté? C'est quoi que t'as acheté? C'est quoi que t'as acheté? Le fromage. Durex. C'est quoi, c'est pour ma soeur ça? Ça va? C'est pour ma soeur ça? Hein? Elle est où ma soeur? Elle est où ma soeur? Éclaté. Allez, je vais te tuer. Elle est où ma soeur? Elle est où ma soeur? Réponds, elle est où ma soeur? Elle est où ma soeur? Je vais te froisser Alex, je vais te froisser. Allume ma soeur, vite, allume ma soeur. Allume ma soeur. Allume ma soeur. Si je dis, tu me laisses partir. Non, il a éclaté le téléphone. Allume ma soeur. Dis-moi où est ma soeur. Oui, je vais te laisser partir, allume ma soeur. Chez moi. Où? Chez moi. Pourquoi chez toi? Tu sais quoi avec ça? Pourquoi ma soeur répond pas au téléphone? C'est pourquoi ça? Elle dort, elle est fatiguée. Comment ça, elle dort? Dis-moi. T'as vu tout à l'heure? T'as vu où on était tout à l'heure? Prends les clés, va récupérer ma soeur, toi tu restes avec moi. Viens. Vas-y, je vais laisser partir. Ah. T'as vu là, je vais te froisser, ma parole, je vais te niquer. Si ma soeur, il arrive quoi que ce soit, frérot, je te prends. Putain, tu m'as déjà fait ça là, non? Si ma soeur, il arrive quoi que ce soit, je te tue. T'as capté? Ouais, j'ai l'impression qu'elle fait juste en prison, là, je m'endors, c'est tout. Reste ici, bouge pas. Si tu es chez moi, on y va, je te repasse, c'est bon. Ah ouais, mais vaut mieux pour toi qu'elle est bien. T'es complet mon beau, t'es détraqué complet. T'as pris un coup, t'es fou. Je te le dis, t'es fou. Si il me dit qu'elle va mal, regarde ce que je t'ai fait. Allô? Ouais Nathan? Ouais. Ouais, t'es arrivé ou pas? Ouais, je suis arrivé mais Mais quoi? Oh, j'ai ouvert la fenêtre, déjà ça puait. Et dort mais c'est bizarre, elle bave un peu, je vais essayer de la sortir un peu de la réveiller mais c'est bizarre. Mais elle se réveille ou pas? Pas. Elle est dans la chambre, c'est tout renfermé, ça pue chez lui. Elle se réveille ou pas? Non, elle se réveille pas. Attends. Si, elle se réveille. Oh, là, elle se réveille pas. Attends, j'ai cherché de l'eau. Parce qu'elle est beaucoup fatiguée, ma soeur. Tu as fait quoi, ma soeur? J'ai rien fait. Oh, elle se réveille pas, je fais quoi? J'appelle les pompiers? Appelle les pompiers de suite. Ça va, ok. Tu as fait quoi, ma soeur, toi? J'ai rien fait. Tu as fait quoi, ma soeur? J'ai rien fait. Appelle les pompiers, j'arrive. Ouais, mais Anto, je suis en train de regarder dans les tiroirs, il y a plein de codéines, il y a plein de médicaments, tu vois. Vas-y, j'appelle les pompiers. Appelle les pompiers, vas-y. C'est à moi, j'ai rien fait. Tu as vu ma soeur, ma petite soeur, Alex, je te jure, s'il y arrive un truc. Vas-y, c'est un petit coup, tu me filmes. Ouais, je te filme. Je te filme pour. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu passes pour ce que tu es, pour une grosse. Tu sais quoi, on va appeler les flics direct. Et on va leur montrer les. D'accord? C'était une. Vous avez composé le numéro de la police. La communication est enregistrée et votre numéro de téléphone. Ouais. Pour toutes vos demandes. Ça sert à rien. Allô? Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai un monsieur là, un ami à moi qui a essayé qui a enlevé ma soeur, qui a enlevé ma petite soeur et qui l'a amené chez lui. Apparemment, je sais pas ce qu'il a fait. Ma soeur est dans un état second, elle arrive même pas à se réveiller. Et là, je viens de l'attraper. Ouais, c'est un ami à moi, ouais. On est derrière la pharmacie, les bâtiments de la pharmacie. Il veut partir, pouvez venir vite s'il vous plaît. Pouvez venir vite, hein, parce que je vais le tuer, je vais le finir. Pouvez venir vite s'il vous plaît. Assieds-toi, je te. Non, il n'y a pas de. Assieds-toi. Je resterai pas calme, assieds-toi. Alex, assieds-toi. C'est pas vrai, arrête, tu me donnes des conneries. J'ai toutes les vidéos, Alex, depuis le début, on t'a filmé. Vas-y. On vous attend, monsieur. Merci. S'il n'y a pas, tu sais quoi, je vais te dire un truc. S'il n'y avait pas la justice en France, tu serais même plus là. Tu serais même plus. Je vais dire que tu m'as frappé. Ouais. Maintenant, on a toutes les vidéos, tu peux dire ce que tu veux, je m'en bats les couilles. On attend les flics. Dès qu'ils arrivent, on arrête de filmer. Et tout ça, on peut pas filmer et leur montrer les vidéos parce qu'elles sont toutes sur l'appareil.
Donc on les attend ici et voilà. On va rester là les gars, on va arrêter de filmer parce que lui j'ai peur qu'il se taille. Il a déjà essayé de se tailler là. On va l'appeler, on va voir si ma soeur, si comment elle va, s'il a réussi à la réveiller. Et on vous donnera des nouvelles à la fin. Vous inquiétez pas, on refilmera plus tard pour vous expliquer tout ce qui s'est passé. Monsieur. Bonjour. Vous avez essayé de me frapper? Non. Non, alors tu vas pas commencer à monter les trucs. Tu ne montes rien, je te le jure. Commence pas à monter. Regardez, c'est moi qui vous ai appelé. C'est moi qui vous ai appelé, monsieur. C'est moi qui vous ai appelé. Il se passe que ce mec là, il a enlevé ma soeur. Ma soeur, elle est actuellement chez lui dans son appartement. J'ai un ami à moi qui est parti pour la récupérer. Ma soeur est dans un état second. Il a 30 ans, il voulait sortir. Ma soeur, elle en a 15. D'accord, monsieur, vous habitez où? Vous habitez où? C'est quoi votre adresse, s'il vous plaît, précise. Donne la. C'est pas vrai. C'est même pas vrai. Donne ta vraie adresse. Donne ta vraie. Frère, ça, ce truc, j'ai une bombarde devant. Ah, j'ai une bombarde devant le. Tu comprends ça ou pas? Tu comprends ça ou pas? Surtout avec carte d'identité, monsieur, qui a fait aussi également, s'il vous plaît. Monsieur, ma soeur est en danger, faut aller chez ma soeur. Faut aller chez lui, monsieur, faut aller chez lui, ma soeur est en danger, elle est chez lui. Mais attendez, déjà on se calme, monsieur, comment ça se fait? On se calme, on va bien. Parce que moi en fait, je vais faire ma vie avec sa soeur, mais lui il veut pas. Il a 30 ans. Il a 15. On peut aller chez lui s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, j'ai énervé contre. J'ai pas énervé contre la police. S'il vous plaît, on peut aller chez ma soeur? Chez lui? Ma soeur elle est chez lui. Je vous la donne, mon adresse, c'est 40. À l'eau, on peut y aller? S'il vous plaît, on peut y aller? Monsieur, je vous ai pas avec ton identité, vous n'avez pas s'il vous plaît. Les menottes, vous lui mettez pas les menottes? Mettez-lui les menottes, s'il vous plaît. Monsieur. Il a essayé de s'enfuir à plusieurs reprises, moi je peux monter avec vous? Bon les gars, voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Les flics l'ont embarqué, donc on vous a mis que l'audio parce qu'on a enregistré avec le téléphone. On voulait pas qu'ils nous crament en train de filmer. Donc ils l'ont embarqué, on les a menés jusqu'à son adresse. Nathan était sur place avec ma soeur. Finalement, ma soeur, là, elle est à l'hôpital parce que bon, elle s'est réveillée, tout ça, mais apparemment, il a donné des, je sais pas, des somnifères ou j'en sais rien ce qu'il a fait. Honnêtement, je vous dis, vous imaginez ce qu'il voulait faire avec. Il a donné des somnifères, on l'a chopé à la pharmacie avec des capotes, les gars. Heureusement qu'il y avait son frère. S'il n'y avait pas son frère, on ne savait pas où il était, honnêtement. Donc ça s'est plutôt bien terminé. Lui. Ça m'a un peu choqué quand même. Ah frérot, c'est chaud. C'est assez choquant, tu vois, sur une gamine. Frérot, t'imagines les gens comme ils sont détraqués? T'imagines? C'est un truc de fou. Lui, je crois qu'il a. Lui, en fait, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et je pense qu'il a un gros problème psychiatrique. Ouais, c'est soit. Là, je ne sais pas s'il ne va pas rentrer en prison. Mais dans tous les cas, il faut qu'il se fasse soigner parce que là, il y a eu enlèvement, détournement de mineurs, tentative de viol. Et. Frère. Mais... Frérot, il est malade, il a un problème psychiatrique, mais dans tous les cas, il doit aller en prison. Dans tous les cas. Je pense que ma soeur, c'est bon, là, ces temps-ci, tu vois, il arrive beaucoup de choses. On dirait qu'il y a quelqu'un qui lui porte l'œil. Heureusement que Nathan était là, finalement, vous voyez. Donc, vous voyez, on tournait, il faisait jour, les gars. Regardez, il fait nuit, il est presque 19h, les gars. Donc, merci à Nathan, n'hésitez pas à le rajouter sur Insta. Son Insta s'affiche ici si vous voulez le remercier d'avoir été là, parce que je pense que c'est un peu lui qui a sauvé ma soeur. Honnêtement, si j'ai. C'est grâce aux pompiers, mais j'ai fait qu'appeler les pompiers. Ouais, mais t'as été là, genre, tu vois, oui, si imagine, elle se met à vomir, elle vomit, elle s'étouffe dans son. Tu sais pas, tu vois, je veux dire. Donc, franchement, allez la rajouter sur Insta, les gars, et merci beaucoup, frérot. En attendant, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo sur cette chaîne principale. N'oubliez pas de rajouter Nathan sur Instagram. Je vous fais un gros bisou à tous et faites attention à vous et à vos proches. Ne laissez pas vos sœurs, vos frères monter avec n'importe qui en voiture. Ça peut être, voilà, dès le plus jeune âge, il faut les prévenir. Là, manque de peau, ma sœur le connaissait parce qu'elle le connaît depuis des années. Hein, donc, elle ne s'est pas méfiée une seconde qu'elle allait avoir un problème. Mais elle aurait dû quand même m'appeler, sachant que ça fait un moment qu'on ne le voit plus et que genre moi, je ne l'ai pas appelé à ma sœur pour la prévenir. Tu vois, ma sœur aurait dû m'appeler me dire « Anto, il y a Alex devant le collège, il veut que je monte avec lui en voiture ». Le problème, c'est que ma soeur, elle m'appelait, était déjà dans la voiture avec lui, c'était trop tard. Voilà. Donc prévenez vos enfants, dites-leur bien de jamais monter avec quelqu'un en voiture, jamais s'approcher des voitures, des gens qui sont seuls, machin. Et que si, quelqu'un connaît, s'ils connaissent la personne qui veut les faire monter, toujours qu'elle vous appelle, qu'elle vous demande si vous êtes au courant. Parce qu'il y a des traqués partout. Voilà. C'était Kamoff, gros bisous à tous. Prenez soin de vous. Et prenez soin de vous, les gars. Ciao. Ciao.